Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour notre potentiel dernier épisode sur Stray. On était en boîte de nuit. Ouais, ça commence bien, effectivement, on est bien en boîte de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut parler au DJ? Peut-être, hein. Salut tout le monde ici, DJ. Ok. C'est la première dans ça. Ok. Ah, attends. Blazar, c'était pas celui qu'on devait aller voir? Attends. Je peux pas? Non, je peux pas. Attends, là il y a un levier. Ah, ok, il nous faut quelque chose. Et apparemment, on n'a pas su quelque chose. Je peux descendre? Oui. Eux, je peux leur parler peut-être? C'est nul ce club. Quand tu voulais, hein, ça, le VIP. Ok. Alors, j'ai volé ce levier juste pour déconner. Ah, mais attends, il y a un autre levier. Si tu m'offres à boire, je te donne ce stupide levier. Je n'ai pas besoin. Et j'ai pas envie de me faire prendre avec. Ok, alors. On va voir le barman, j'imagine. Évite de tout casser. Ah. Ah, c'est aussi simple que ça. Ok. Let's go. Ça, j'ai compris. Ça aussi. Ça aussi. Et maintenant, je peux te donner ça. Oh, merci, mon ami. Tiens, comme promis. Nice. On va pouvoir mettre les leviers. Alors, attends. Merde, attends. Bah alors, c'est bon? Ouais. Est-ce qu'ils vont grimper là-dessus? C'est possible. Effectivement. Oula. Je vais dans des chemins bizarres. Oula. Alors attends. Si j'appuie sur tout. Ouais non. Je pense qu'il faut les faire descendre. Hein. Et aussi. Si on passe. Pas l'air de marcher. Hein. Attends, si on fait comme ça. Oula. Mais c'est lui, ça doit être lui sûrement. Le gars qu'on cherche. Alors c'est pas clair, non? Bah c'est bon. Est-ce que je peux lui parler? J'entendais d'excellentes relations avec les sentinelles. Je ne comprends pas ce que les gens leur leur reprochent. Bah attends. Va dehors et tu verras. J'ai envie de tout casser. Yes, j'ai tout cassé. Non, attends, c'est Clémentine. Oh oh, elle arrive pas à parler. Oh non. Oh le salaud de mes deux. D'une pierre deux coups. T'es pas aussi malin que t'en as l'air. Le chaton, enfin. Je t'en veux pas. Les affaires sont les affaires. Oh le salaud. Et les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Ils sont à vous. Comment ça, ils sont à vous? Oh non. What? Ils ont eu trop cuté?
Attends, ne me dis pas que le jeu se termine comme ça, je viens d'avoir un trophée. Le trophée Alcazar. Alcatraz. Non, Alcazar. Enfin bref, tu m'as compris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on peut faire bouger la cage. Est-ce qu'on peut la casser peut-être? Je pense que oui. Yes. On se taille. On se taille. Attends, je peux pas passer par là? Faut que j'aille où? Faut sûrement monter. Non. J'ai dit, faut sûrement monter. Mais oui, regarde. Ensuite. Ah ouais, tu sautes où, toi? Ah non, le tunnel de l'enfer. Prison. On est en prison. Hop. Ah ok, là on est au-dessus. Non. Ah non, on est dans une autre salle. Alors attends, je pense qu'il faut également activer l'autre à gauche pour pouvoir descendre. Ouais, regarde, hop. Génial. Ça fait 12? Ah non. C'est clair? Non. C'est trop space. Alors là, on peut grimper. Est-ce que je peux passer par-dessus? Oui! Y a rien derrière? Attends, j'ai quand même envie de vérifier. On sait jamais, non, il n'y a que dalle. Attention parce que là il y a une lumière. Comment tu peux passer là? Faut aller en bas? Apparemment oui. Une cellule qui est ouverte. Personne. Oh, on a eu chaud là. On a eu chaud, chaud, chaud. Alors je fouille bien dans toutes les cellules, on sait jamais, on peut peut-être louper quelque chose. Bon ça va, la lumière ne vient pas jusqu'ici, tant mieux. Allez, je pense qu'il faut qu'on monte. J'ai juste de vérifier si mon micro était bien ouvert. Ça aurait été ballot d'avoir fait tout ça sans avoir le micro ouvert. Hein. Mais attends, t'es bien gentil, mais... Mais ensuite... Ah mais ok, attends, je pense... Voilà, ouais, c'est bien par là. Hop. C'est qui ça? C'est Clem? Non. Je comprends rien. Ok, donc a priori... Les clés seraient là-bas. J'ai rien compris, mais je pense avoir deviné. Mais je pense qu'il va pas falloir se faire choper, à mon avis. Ok. Alors attends. Là. Génial. Ok, il faut juste refaire maintenant le chemin inverse. Je parie combien qu'il y en a un qui va nous tomber dessus. C'est toujours comme ça. Ah non, même pas. Tant mieux. Ok. Génial. Et bon, au moins merci. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi? Je te suis, hein. Je pense qu'il faut le suivre. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu de texte ni rien.
Oula. Y a plus de musique. C'est énorme. Tu sens l'arrivée des urks là? Quand c'est grand comme ça? Ouah! Y a quoi dans la cage en bas là? Mais attends, c'est pas BD12? Tiens, un drone. Ok, j'allais dire il faut aller où? Ouais, c'est bien BD12. T'inquiète pas, on va le libérer. T'inquiète pas. Il est vraiment trop mignon ce chat. Mais c'est bizarre, on n'a plus les textes. Du moins pas avec lui. J'espère que c'est normal. Laisse-moi, je vais chercher ma queue. C'est parti. Oula. Alors attends, j'entends des drones. On n'arrive plus à courir. Ça sent mauvais. Ah oui, mais je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on peut pas parler. C'était BD12 qui faisait la traduction. Oh, il devait être 50 à me le dire là. Oh purée. Faire quoi? Là? C'est vrai, en plus on n'a pas besoin de chercher de souvenirs vu qu'on peut rien scanner. Bah oui. Attends, est-ce que je peux passer par au-dessus? Ah. Oui, mais en quoi? Ça à quoi? Je peux rien faire là. Je vois pas trop comment est-ce qu'on peut. Ouais, je sais, ça fait mal. Alors attends. Il y a peut-être un truc à récupérer ici. Non. Attends, mais oui! Oh, je suis trop bête. Ok. Vas-y, grimpe là-dessus. Ah, wow, ça bouge! Je me crois dans Ratchet! Tu me vois plus, tu me vois plus. Tu me vois plus. Je suis une boîte. Je suis pas un chat, je suis une boîte. Allez hop! Bouge! Retourne à ton travail, robot. Merci. Oh, attends, 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 attends. Reste calme quand même, hein. Vas-y, bouge. Oh là là, descend. Descends. Oh, c'est chaud le timing, hein. Ouais. Ouf. Oh, on a eu tellement chaud. Attends, il y a un levier. Yes! BD12! Oh. Bah oui, ils vont se douter de quelque chose. Oh. Ça craint du boudin.
Non. Tu m'as pas vu. Je suis une boîte. Retourne à ton travail. Mais attends, comment maintenant on est censé aller parce qu'ils sont tous en alerte là, hein. Ça va être chaud. Hop. C'est bon. Non. Non, 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 non. Vite, dans la boîte. Dans la boîte. Dans le carton. Oh. Oh la vache. On a eu tellement chaud. Pouf. Oula. Et on va peut-être le passer à un niveau du premier coup. Ok, c'était par là. Ça tombe bien, tout est désactivé. Ouais, c'est toujours tout droit, on est d'accord. Hein. Oh merde. Ok. Vas-y, cours. Merde, 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 merde. Attends, c'était pas où? C'était par là. Oh la vache. On a eu tellement chaud. Et du premier coup. Yes. Et voilà, maintenant on peut donc parler. J'ai l'impression d'être à nouveau enfermé dans le système informatique de mon labo tout seul. Mais tu es revenu pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment un ami. Eh ben oui. Et toi aussi, t'es vraiment un ami. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve, mais on n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on trouve comment sortir. Et si tu peux ouvrir cette porte. Normalement, oui. Yes. Maintenant, je peux fouiller. Hein? Ah, attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va vraiment servir à quelque chose? Non. Il va casser... Non, il va faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais vas-y, fais plus de bruit. Oh là là. Je t'écoute. Ah non, ok. C'est trop bien. Est-ce que je peux t'ouvrir la porte? Non. Parce que là-dedans, je peux peut-être ouvrir la porte. Oui. Yes. Ok. J'imagine que du coup, quand là-bas, ça va se fermer. Non. C'est sensationnel. Bloqué à nouveau, le passager, ils vont me repérer immédiatement. Et si tu essayais de les attirer dans ces cellules pour les enfermer? C'est bien gentil, toi. Tu vois ce type par terre là-bas, il a été réinitialisé. Oh purée. Je ne veux pas perdre ma mémoire, j'ai très peur. Ça, vous voyez, c'est toujours un truc bizarre. Dans le sens où. Cette centaine de récupération ne m'a fait. Je crois bien, j'ai l'esprit clair, ok. En gros, je disais. Non, attends, Ryu. Ah, attends. Est-ce qu'il faut faire ça? Wow.
Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Non, mais il est repassé! Oh punaise. Oh, mais il est repassé, j'y arrive pas à y croire. C'est bon. Oh, c'est bon. Eh, c'est compliqué. Vas-y, tu peux venir. Nice, nice. Tu peux avancer. Tu peux m'ouvrir la porte. Franchement, l'endroit est plutôt cool. Est plutôt cool. J'arrive plus à parler. Est plutôt cool. Je sais pas combien il va falloir grimper. Le pauvre type. On dirait que les sentinelles sont sans pitié pour ceux qui sont différents. Oh mais derrière, il y en a un ici. Attends, je vois plus rien. C'est bien ce que je croyais. Elles l'ont complètement annihilé. Oula. Plus aucune émotion, plus de conscience de soi, plus de souvenirs. Ok. Je vous en supplie, on ne doit pas se faire prendre. Tu crois que j'ai envie aussi? Ah, oh, purée, c'est le dernier souvenir? T'es au courant qu'il y a un gardien à ma droite. Alors attends, va ouvrir ça. Ok. Maintenant. Toi là. Viens avec moi. Non, c'était à moi. Ah oh non, je me suis fait avoir. Ah purée. Eh mais ça va être compliqué, hein. Attends. Parce que là, il y en a beaucoup. Ou alors, j'ai peut-être une idée. Et s'il faut faire tout simplement. Comme ça. Parfait. Et les enfermer de l'autre côté. Ben oui. Oh mais. C'est tellement simple. Oh mais l'autre il va. Il va péter un plomb là. Regarde en plus il nous regarde. Il y a l'autre derrière qui nous suit aussi. Il va se faire opérer. Oh, vas-y ouvre cette porte. Dépêche-toi. Oh, j'ai cru que c'était des toilettes. Ah, je pense qu'il va falloir qu'on passe au-dessus. Ouais, c'est ça. Resto Zagué, on n'est pas très. On n'est pas quoi? On n'est pas tiré d'affaire, oh, pardon. ouais, mais ensuite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, ça j'avais bien compris. Ah, attends, c'est ouvert. J'avais même pas fait gaffe. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh non. Grosse porte, gros ennui. C'est toujours comme ça. Cette porte, c'est le seul moyen de sortir de cette prison. Je crois qu'on peut l'ouvrir à partir de cette salle de contrôle là-bas. Mais il faut qu'on trouve comment accéder à cette salle. Fouillons les lieux. Bah, il y a forcément un trou. Je peux encore une fois me faire les griffes. On adore. Je pense qu'il faut qu'on prenne de la hauteur. Regarde, bon, il y a une voiture ici. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette poubelle-là? Non. Mais je pense qu'il faut qu'on monte sur la voiture.
Non? Ah, ok. Ah, bah attends. On a de la chance. Ils ont laissé les clés dans la porte. Oh! Grimpe à l'arrière du camion. Tu devras pouvoir sauter par-dessus la barrière et accéder à la zone sécurisée. Yes. T'as vu ça? Toujours se faire les griffes. T'imagines celui qui se fait jamais les griffes? Il doit encore être au niveau 1. Ouais, c'est bon, je suis monté. Vas-y, marche arrière. On va pas très fuite de suite, hein. On va laisser les clés comme ça. Génial. Par contre, coupe le moteur, tu veux? Allez, let's go. Ça m'étonne, il n'y a même pas de drone. Une salle sécurisée, c'est pas si sécurisé. Ok, le levier est là. Génial. Oh non. C'est jamais bon signe, une alarme. C'est jamais mon signe. Oh purée. Et je sors par où là? T'es gentil? Ok, par là. Faut que je grimpe dans le camion. Allez! Mais attends-moi! Mais attends-moi! Mais attends-moi, espèce de salaud! J'arrive! C'est bon! Pouf. Yes! On sort! Let's go, Clem! Oh purée! Oh, ils sont bêtes! Ils ont loupé un gros camion, c'est un truc de ouf! Enfin, un gros camion, on se comprend! Ok, let's go. Hein? Mais tu viens pas? On n'y arrivera jamais avec les sentinelles sur le dos. Je peux détourner leur attention un instant, mais tu dois partir. Le manifeste des extérioristes dit: nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Je l'ai écrit. Mais c'est triste. Oh là là. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ne sont pas tous obligés d'attendre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Yes, les clés. Vas-y maintenant, tu resteras gravé dans ma rame. Petit extérieur aussi. Oh, je suis trop déçu. Il va faire le fou dans la ville. Oh, c'est triste. J'espère qu'on trouvera un moyen pour la ramener aussi. L'autre qui était ici au début du jeu a disparu. Bon. La boucle est bouclée. On a les clés du métro. C'est gentil, mais il faut en faire quoi les clés du métro là? Là, non. Mais what? Faut en faire quoi des clés? Je pensais qu'il fallait les brancher, moi. Non, attends. Descends du siège. Regarde, on peut rien faire. Attends, il doit y avoir quelque chose à faire là-bas. Pas vraiment. Y avait-il une autre issue? Là. Et là, on revient en arrière, je crois, non? Bah oui. Ah, attends. Est-ce que c'est ça? Utiliser l'objet. Clé du métro, non. Ah mais c'est ça, ok! C'était la pile! Je me disais bien aussi. Ok, parfait. Par contre, faut pas louper le métro, hein. S'il part sans nous, ça craint du boudin. Ok, ça se comprend mieux maintenant. Bon. C'est nos derniers pas. C'est parti, prenons le métro.
Et oui, voilà. Maintenant, on peut utiliser les clés. Prochain arrêt, l'extérieur. On va retrouver notre copain chat. Du moins, j'espère. De contrôle. Ah, il faut faire. Ok, je pensais qu'on avait besoin de rien faire, mais ici. Oh, pas forcément. On ralentit. Hein? Il y a des robots. Salut. C'est très joli. Waouh, c'est vraiment très joli en plus. Ah attends, il avait quelque chose à me dire? Ouais non, je préfère pas leur parler peut-être. Il y a de la verdure. Non mais c'est magnifique là. C'est juste magnifique. Attendez, il y a un truc, il y a une salle bizarre de l'autre côté. Ah, c'est la ville. Ah, punaise. Bonjour, mon travail actuel est nettoyage. Et nettoyer la fenêtre, pardon, nettoyage. Vous pouvez consulter tous nos ingénieurs, ça se fait à la salle de contrôle. Ok. Ça doit être par là-bas. Control room. Eh oui. Salle des contrôles. Comment est-ce que. Moi je fais pour activer. Bah allez. Je peux pas. Ça y est, je vais te bloquer à la fin du jeu, j'adore. Ok. Oh, mais t'es gentil, mais... Attends, peut-être lui, là-bas, là. Salutations, habitation cité numéro 99, cette porte qui maintient la surface est actuellement verrouillée pour casser... Non, pour causer... Pour cause, pardon, de protéger. De protéger. Pour cause de procédure de confinement. Je vais y arriver. Et consulter tous nos ingénieurs certifiés à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée. Ouais, mais c'était gentil, on dit tous la même chose. Moi, je suis censé aller là-dessus. Les câbles. Ah, attends. Un protocole de sécurité empêche d'ouvrir la salle des contrôles. Il est écrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. Oh, oh. Il est aussi écrit que je ne suis pas considéré comme un être humain. Et c'est pas gentil. Protocole de sécurité. Peut-être que, qu'en collaborant, on pourrait ouvrir cette porte. Yes. J'imagine que là, non. J'essaie de miauler, ça marche pas. Ah, mais attends! Ok, j'ai compris. Oh bah punaise, il fallait le voir, lui. Ils se font dans la masse. Ok, génial. Je pense que ça, c'est bon. Vas-y, craque-moi ça. Et moi, je te... Déchire ça. Mais monte! Ok. Ah, il faut gratter! Mais. Oh! BD 12. Ou BD 11, je sais plus. Vas-y, gratte. Génial. On adore, se fait les griffes. La salle de contrôle pour la ville toute entière. Il gère tout d'ici.
et c'est vide. Je me souviens à quel point... attends quoi? Attends, à quel point je les détestais. Ils avaient tout... l'hygiène, un pouvoir limité. Bon, ça va, ok. L'épidémie, je m'en souviens maintenant. Tout le monde n'aurait-il... Attends, tout le monde mourait et ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai voulu mourir ma famille, je me sentais impuissant. Je ne pouvais rien faire pour les aider. Oh, les... oh le pauvre! Mais je peux encore t'aider, toi. On peut encore sortir d'ici ensemble. Je vais transférer les souvenirs de l'humanité et des gens que j'ai... Oh là là! que j'aimais. Pardon. On va y arriver. Ok, bon, on a tous les souvenirs principaux, on va dire. Donc maintenant... On y est, c'est l'ordinateur central. Le fameux. Sur l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville toute entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on la désactive, on devrait pouvoir sortir. Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes. Ces ordinateurs de contrôle... pardon, ces ordinateurs contiennent les données dont on a besoin. Il faut y allumer. Ok. Pendant que je fais ça, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. Ah, attends, merde, c'est à moi de faire ça, du coup. Ok. Merde, attends. Et c'est quasiment bon ton truc là. Alors attends. Ok. Non, t'en as oublié un. On monte. Ok, parfait. Et plus que les derniers. Oh. C'est bon. Parfait. On a tout rallumé. Ça a marché. Bon travail, mon ami. J'ai trouvé. Je suis content d'ouvrir la ville. Mais il y a encore un truc qui cloche. Attends, il y a peut-être un moyen. Mais oui, tu vas nous résoudre ça. Nos soucis. Ouvre contrôle. Système isolé. Oh oh. Voilà. C'est la station de travail pour ouvrir la ville. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent d'utiliser. Et maintenant, il faut qu'on fasse... qu'on sait faire de mieux. Moi, je pirate les machines et toi, tu sors les griffes. Ok. Ah, attends, il va falloir faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Non, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça doit être là. Yes. Génial. Ok, ça c'est bon. Toi, va faire ça. Génial. Et de 1. Le système est mieux verrouillé que prévu. Ok. Oh non. Oh purée. Oh non. Il faut qu'on continue.
Oh merde. Alors faut trouver un deuxième endroit du coup. Vas-y, descends. C'est un truc là-haut. Ah, regarde. Vas-y. Nice. Alors toi... Ok, non, d'abord il faut que je casse ça. Alors a priori il y a 3 niveaux de sécurité. Super. Ok, nickel. Oula. Oh, on a des choses de tout. ne t'inquiète pas, je pourrais me recharger quand on aura activé cette station de travail. Ok. Tu fumes un peu quand même. Hein. Fais attention. Ok, le dernier est là. Ok. Nice. Et le dernier. Oh merde. Je crois que j'en ai plein le plein la coque. C'est bon, ça va aller. Amène-moi simplement à la station de travail, on peut désactiver cette alarme. Ok. T'as pas intérêt à mourir. Hein. Et voilà. Nous sommes... Hein? Nous sommes saufs. Ok. Safe, sauf. Écoute, je dois te confier quelque chose. Vous savez qu'une énorme quantité... Attends. Une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville, bien plus énorme qu'à tout... que tout ce qu'on ne peut fournir. Tu m'as compris. Mais maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et où est la ville. En prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel. Oh oh. Mais j'ai failli ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur avec toutes les conséquences qui peuvent s'ensuivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Quoi? Non! Je pense devoir transmettre les souvenirs de l'homme, de l'humanité, pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnies et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Mais non! Tu étais mon ami. Le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. C'est triste. Ah mais non. Et oui, tous les urs vont mourir.
Oh, y a pas moyen que je te prenne avec moi. Y a vraiment pas moyen. Ah là 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 là, c'est triste. On a fait tout le chemin avec lui. On l'a sauvé deux fois. Faut aller où? Ah oui, attends, la porte du coup. Que l'autre protégé. Celle-ci. Ok. Oh là là. Regarde comment est-ce qu'elle est blindée. La lumière du jour. La verdure. L'extérieur. PD12. Et si on revenait dans Stray 2? Voilà. C'était tellement bien ce jeu. Franchement, ceux qui ont la possibilité d'y jouer, et en plus gratuitement parce qu'il est sur le PlayStation Plus, pour ceux qui ont une PS4 ou une PS5 qui sont abonnés au PlayStation Plus, du moins le Extra ou le Premium, vous pouvez l'avoir gratuitement et c'est vraiment un jeu exceptionnel. Alors, c'est pas le GOTY de l'année, hein. Attention. Il a des trucs à se reprocher. Et pas mal même, mais c'est un jeu vraiment très très classe. Si vous voulez jouer calmement en famille, c'est vraiment le meilleur jeu, je pense. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, moi je vous dis rendez-vous en septembre. On arrête les vidéos pour le mois d'août. On se retrouve le 2 septembre pour Last of Us. Et oui, il revient encore. C'est comme GTA, il meurt jamais. On va se le faire en mode remake sur la PS5 avec les meilleurs graphismes possibles. Donc, jusque là, je vous dis, portez-vous bien. N'hésitez pas à revoir les dernières vidéos si vous les avez manquées. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire si le let's play vous a plu. Et quel jeu vous aimeriez bien voir sur les prochains let's play. Et sur ce, je vous dis ciao. Allez, à plus.